Good morgen, Aliden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Amram Yonah ben Chana, Peggy Batester, Nissim ben Ahuda. Et aussi, Lirfouat Efrat Mayan, Badla Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Avodah Zara, Perikbet Mishnah Zayin. Eilu Dvarim Mutarim Ba'achila. Chalav Shechalavo Goy Ve Israël Roeu. Vadevash. Vadavraniot Afalpishem Menatfim. En Ba'em Mishum Echer Mashke. וכבשין שאין דרכן לתת לתוכן יין וחומץ, וטרית שאינה תרופה, וציר שיש בה דגה, ועלה של חלטית, וזיתים גלוסקאות המגולגלים. רבי יוסי אומר, השלוחין אסורין. אך הגבים הבאים מן הסלולה אסורין, מן ההפתק מותרין, וכן לתרומה. Cette Mishnah continue en parallèle la Mishnah précédente, dans laquelle on apprenait, dans la Mishnah d'hier, toutes sortes de choses que Chachamim ont interdit à la consommation parce qu'il avait des craintes que le goy allait peut-être manger du vin, ou allait, pour plusieurs raisons, nous donner un produit non kasher. Alors, on avait évoqué là-bas toute une liste de choses qui étaient interdites à la achila, à la consommation. À présent, notre Mishnah va continuer à nous dire voici les choses. Elu mutarin ma achila. Telles sont les choses qui sont permise à la consommation. Et donc on va en parallèle rapporter sur chacun des éléments la manière dont la même qu'un autre objet similaire, un autre produit similaire pourra être permis à la consommation. Regardez. Le premier, c'est Chalav Shechalavo Goy Ve Israël Roeu. Un lait qui a été trait par un goy, tandis qu'il avait un Israël qui le voyait. On apprenait dans la Mishnah précédente que le lait que le goy a trait sans contrôle d'Israël, de juifs qui puissent venir voir, alors il était interdit à la consommation de peur qu'il allait mettre du lait d'une espèce asura. Alors la Mishnah maintenant nous enseigne que sache que si tu vois le goy, tu as le droit d'acheter le lait, d'acheter le lait que le goy a trait, il n'y a pas de issur de traire. Mieux que ça, c'est rapporté dans le Bartenora ici, de la Gemara, que c'est pas non plus la peine de le voir pendant qu'il est en train de traire. Il suffit que le juif soit dans les parages pour que le goy veille à préserver sa crédibilité, ne se mette pas à vendre du lait d'animal interdit, ça suffit pour donner à présent un statut de chalav Israël, de chalav contrôlé par un juif, du lait chamour justement. Ve'ad vache, deuxième chose qui est permis d'acheter des légumes, c'est le miel. Vous allez me dire, ben c'est normal, qu'est-ce que c'est le miel, c'est tout à fait naturel. Pas exact. Tout d'abord, on aurait pu croire qu'on va craindre qu'il va lui mettre dedans du vin. C'est la Gemara qui propose, et en fait, la Mishnah enseigne que non, il ne rajoute pas du vin, parce que le vin, c'est peut-être que ça va améliorer à court terme, mais ça va le faire tourner à long terme, il n'est pas intéressé à le faire. Il y en a d'autres qui vont expliquer encore le problème, peut-être que pour extraire la cire, quand on parle d'une vache ici, on ne parle pas que du miel, on parle en réalité d'un rayon de miel, il est encore dans son chalat de vache, en hébreu ça se dit, c'est-à-dire qu'il est encore dans un rayon, quoi. Enfin je pense que ce n'est pas un rayon quand il est replié dans la cire, enfermé dans la cire. Et pour l'extraire, il y a plusieurs procédés. Un des procédés, c'est justement de le faire cuire. Or, si on fait cuire chez un goy, il pourrait avoir un problème de bichoulet à koum, il pourrait avoir un problème de qu'il a utilisé un ustensile qui était interdit parce qu'il avait fait cuire de la viande interdite auparavant, par exemple. Alors la Mishnah, la Gemara répond, c'est rapporté ici dans le Bartenora, par rapport au problème de bichoulet à koum, il n'y a pas d'interdit comme ce qu'on a dit, quelque chose qui peut manger de cru, alors si le goy le fait cuire, il ne devient pas interdit. Et par rapport au problème d'ustensile, tous les goûts qui vont être inclus, absorbés par l'ustensile, ne vont pas donner un tam nishvar, c'est un détail dans la lachot des goûts qui se trouve dans les ustensiles, on ne va pas rallonger dessus, je ne vais pas avancer. Vea davraniyot afalpi shemenatfim. Alors, c'est davraniyot. Il y a une discussion, est-ce qu'on parle d'un pain, d'un rayon de miel, ou est-ce qu'on parle d'autre chose, on parle d'une grappe de raisin. On va prendre les deux options. En tout cas, il y a écrit ici, même s'ils dégoulinent, ils sont permis à la consommation, et ve'en ba'em shum ercher mashke, et lorsqu'il est dégoulinant, le liquide qui coule ne va pas faire un hercher mashke. Il ne va pas rendre aptes les aliments à recevoir une impureté. On explique un petit peu mieux, il y a beaucoup d'éléments à préciser en fait.
Tout d'abord, on a deux options. Soit on parle d'un rayon de miel, et quand le goy nous le vend et nous le donne, on remarque qu'il dégouline. Alors là, il y a lieu de craindre, peut-être éventuellement, qu'il aurait rajouté du miel dessus, du yain esser, du vin dessus. Pourquoi il dégouline comme ça? Peut-être qu'il aime du vin blanc. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Alors apparemment, tel que je déduis, c'est que mettre du vin, c'est bien à court terme, et ça abîme à long terme. En tout cas, donc, on ne craint pas qu'il ait rajouté du vin, parce que justement, il craint que ça va s'abîmer. Et si on parle d'une grappe de raisin, alors le chidouche, il est qu'on aurait pu croire que le liquide qui va dégouliner, il a déjà un statut de vin, et qui va être une dessert. Ouais, puisque le jus de raisin aussi qui provient du goy, on n'a pas le droit d'acheter du jus de raisin d'un goy, c'est dans le même décret du vin que le vin. De ce fait, lorsqu'il va me donner une grappe dégoulinante, peut-être que je ne pourrais pas l'acheter. Et la Mishnah vient nous enseigner que non. Justement, même si ça dégouline, pour le moment, tu ne considères pas ce qui coule comme du vin, mais comme un morceau de fruit qui tombe. Tant que tu n'as pas encore décidé de ramasser ce jus dans un ustensile pour le boire ensuite, il est en train de dégouliner, il n'a pas encore un statut de vin. Et c'est justement ça que la Mishnah continue en nous disant « En ba'em mishum ercher mashke ». Ça va prendre aussi deux consonances selon l'explication. Mais en tout cas, le principe, il est d'abord, c'est quoi « marchirine » ? On a déjà évoqué la notion que tous les produits agricoles, un fruit, un légume, pour pouvoir véhiculer l'impureté, il doit nécessairement entrer en contact avec de l'eau ou avec un des sept mashkim, en fait. L'histoire de « yad shachat dam », on l'a déjà évoqué quelquefois. « Yain dvash dvorim dam maim shemen chalav tal » qui sont rapportés ici dans le Tiferet Israël en tant que siman de Yad Shachat Dam. Yad Dam Shachat, ça revient en même. En tout cas, donc, une pomme, pour qu'elle puisse véhiculer le tomate, il faut qu'elle soit en calant, en contact avec un des liquides, soit de l'eau, soit du vin, soit du miel. Et lorsqu'on parle du miel, on ne parle pas de dvash tmarim, mais sur dvash dvorim, du miel d'abeille. Donc de ce fait, lorsque maintenant je vais prendre le rayon de miel, s'il y a une goutte qui va tomber dessus, peut-être que ça va déjà rendre apte à véhiculer l'impureté parce qu'il y a un liquide. La Mishnah vient d'enseigner en nous disant non. Tant que tu n'as pas eu l'intention de récupérer le liquide qui dégouline, il n'a pas encore un statut de liquide. C'est plutôt un statut de solide qui est en train de tomber tout simplement. D'accord? On continue la suite maintenant. Ukvashin, là ça devient plus simple. Ukvashin, Shendarkan, la tête, la Tochan, Yain, la Chomets. On a appris que les légumes macérés des variantes, si on les macère, si c'est l'usage d'ajouter dedans une petite goutte de vin ou une petite goutte un petit peu de vinaigre, alors ils deviennent interdits à la consommation. On ne pourra plus les prendre de chez le goyim, de peur qu'il ait mélangé du vin interdit. Mais si toutefois ce sont des variantes, des liquides, des légumes macérés qui n'ont pas, pour lesquels on n'a pas l'usage d'ajouter du vin ou du vinaigre, alors dans ce cas-là, on pourra les acheter des goyim, il n'y a pas de problème, c'est pas considéré comme une cuisson aussi. Vétarit chena trufa, alors là l'histoire de la tarit chena trufa, c'était le fameux poisson qu'on achète, que lorsque le goy, il mélange plein de petits bouts de poisson entre eux, il fait des miettes, plein de miettes de poisson qu'on ne pouvait pas acheter, mais par contre, si c'est pas tarouf, c'est pas mélangé de manière des petites miettes, mais il y a des morceaux assez conséquents, et donc on est capable de bien reconnaître que ça c'est un bout de saumon, ça c'est un bout de thon. Alors même si finalement c'est quand même coupé en morceaux, mais puisque c'est encore bien reconnaissable chaque morceau, alors de ce fait, il est permis, on pourra acheter ces morceaux de poisson en fait. D'accord? C'est parce que c'est pas tarouf, c'est pas mélangé fortement en petits morceaux de poisson. Betzir sheyesh badaga, alors là ça nous rapporte au fameux liquide qui coule des poissons lorsqu'on lui met du sel. Le sang du poisson qui coule avec du sel, c'était une sauce qu'on utilisait. On avait expliqué que pour différencier s'il est en provenance d'un poisson cachère ou non, alors ça dépend est-ce qu'il y a un certain insecte qui vient rôder autour de cette sauce ou non. Et de ce fait, la Mishnah nous enseigne que si c'est un tsir, sheyesh, badaga, si c'est un liquide comme ça qui va dégouliner du poisson et qu'on va voir qu'il y a ce petit insecte qui vient, alors ça signifierait que ça vient d'un poisson apte à la consommation. Et donc le tir sera caché. Et aussi le Ale Shel Khiltit. On avait parlé de la Mishnah précédente de Kurt Shel Khiltit. Le Khiltit, on a dit que c'est une espèce très forte et que le problème, il est que si le goy, quand il l'a coupé, peut-être que maintenant le goût fort de ces grains de Khiltit
Peut-être que ça a fait maintenant sortir du goût hein, qui était absorbé dans le couteau. Donc c'est en ça que c'était interdit. La Mishnah va t'enseigner, sache que tout ce que je te dis, c'est uniquement lorsqu'on va, tu vas vouloir prendre des graines de chiltit. Mais toutefois, on pouvait aussi utiliser les feuilles, le halé shel chiltit, les feuilles de chiltit. Dans ce cas-là, les feuilles ne sont pas à ce point-là piquantes, au point de faire sortir les goûts absorbés dans le couteau. On continue. Vezetim gluskaot amegul galin. Alors, s'il y a littéralement des étimes, des olives, gluskaot qui font des gâteaux, gluska c'est un gâteau, amegul galin qui sont roulés, ça veut dire qui ont été réchauffés. Et on explique de quoi on parle en fait. On parle que lorsqu'on voulait faire macérer les olives pendant longtemps, il y avait plusieurs techniques. Une des techniques, un des procédés, c'était de les laisser macérer au point où elles vont grossir et ensuite se coller et même éclater tant elles auront grossi. Alors la Mishnah vient de nous enseigner que sache que tu as le droit de les prendre de chez les goyim, tu ne vas pas craindre peut-être qu'il a ajouté du vin dedans, ou du yayin neser, du vinaigre aussi. Ensuite, Rabbi Yossi Omer, Ashluchin Asurin. Le Rabbi Yossi nous enseigne et nous dit attention, ce que je t'ai dit, c'est uniquement lorsque tes olives ont commencé un petit peu à s'éclater, mais si toutefois elles sont devenues complètement molles, alors là tu ne pourras plus les acheter parce que. Logiquement, pour les ramollir de la sorte, c'est qu'il a rajouté dedans du vinaigre de vin ou même du vin, et c'est ce qui a permis en fait à les faire ramollir davantage. Donc, tu n'auras plus le droit de les consommer. On continue ensuite. Achagavim abayim mina selula asurin mina eftek mutarin. Là, on parle des chagavim, des sauterelles qui viennent devant la selula. La selula, c'est le sal qui se trouve devant le chenvani. C'est-à-dire, l'épicier, lorsqu'il va vous donner, si on vous a lâché des sauterelles, ouais, on n'a plus tellement d'usage, ça se mange plus à notre époque, on ne sait plus le reconnaître vraiment, on n'a plus de massorette, mais en tout cas, initialement, lorsqu'on les mangeait, alors ça s'achetait au chenvani, et comme vous pouvez vous mettre des pépites pour le Shabbat, ouais, pour brûler le temps, alors il pouvait aussi, comme ça, vous verser des sauterelles, et puis après, il mangeait des sauterelles, comme ça devait être sûrement, probablement bon, il n'y a pas de doute. En tout cas, là, il nous enseigne que sache que tu ne pourras pas acheter des sauterelles de chez les goyim s'il les donne depuis le sal, depuis le présentoir dans lequel il vend, parce que là, on craint qu'il y ait mis du vin pour donner un goût un peu meilleur. Il veut toujours améliorer la qualité de son produit. De ce fait, tu ne pourras plus l'acheter. Par contre, si c'est mina eftek, mutarin. S'il ne te donne pas de ceux qui sont devant le présentoir, mais ceux qui sont encore en arrière-cuisine, qui sont encore stockés, alors là-bas, on est sûr qu'il n'a pas encore ajouté le vin. Apparemment, s'il va mettre du vin dedans trop tôt, alors elles risquent de s'abîmer, de perdre leur goût, de tourner un petit peu trop vite. Alors de ce fait, tant qu'il ne les a pas amenés devant le présentoir, on pourra les lui acheter. D'accord ? Et la Mishnah conclut en lui disant « Vechen la Torah, tout ce qu'on t'enseignait pour ce qui est en provenance des goyim, est-ce qu'il y a le de crainte qu'il a ajouté du vin ?» qu'on a évoqué plusieurs fois, dans toutes sortes de gvashim et tout ça, et bien il en va de même aussi avec la trauma. Si tu as affaire à un Kohen qui consomme de la trauma, puisque c'est un Kohen, à l'époque, ils étaient purs, ils pouvaient consommer la trauma, et que tu vas vouloir acheter des variantes, tu vas vouloir acheter des sauterelles, est-ce que tu pourras acheter ou non? Peut-être que ça lui a pris de verser un petit peu de son vin pour donner un petit goût un petit peu plus fort et agressif comme ça. Alors de nouveau, il y aura les mêmes critères qui vont nous définir dans quel cas, c'est-à-dire si c'est un Kohen chashoud, qui est soupçonné, douteux, qu'on doute, est-ce qu'il est capable de... Il néglige l'importance de la trauma, il se permet de la mélanger un petit peu trop rapidement. Alors de ce fait, tu ne pourras plus acheter des variantes de chez lui, par exemple, s'il avait de douter, de craindre qu'il a ajouté dedans du vin, du yayin neser, avec les mêmes conditions exactes comme ce qu'on a appris pour le goy. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov u'salam.